Trapping like the narco. Got dope like Pablo. Trap trees with the Draco. On the knock at the mambo. My skin flash like mambo. Got stash spots in Honda. C'est pas du tout la même chose. Là, ça fait plaisir. Non, mais beaucoup de mecs reviennent et nous font la même chose qu'aux auditions, ah ouais, avec là, la là. Même écriture, là, avec la même énergie. Rien à voir. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire un voyage d'un truc complètement. On était Cuba, on était au soleil et tout ça. La dernière fois, c'était la joie. Là, on est parti dans un Kill Bill revu et visité de Gueudin.
Non, franchement, c'est ouf, avec des ruptures de rythme sans arrêt, avec la partie acrobatique, et en même temps, on retrouve l'humour, on retrouve vos gueules de couillons, là, que j'adore. C'est tellement professionnel, et ça ne se prend pas une seconde au sérieux. Pas une seconde, un gars merci, qui merci. Dit, je suis, il n'y a pas de star, il n'y a que des artistes parmi vous. Merci, merci les amis. Merci. Vraiment super. Autant on a adoré votre premier numéro et c'était complètement différent. Là, vous êtes allé vraiment ailleurs, mais vous avez gardé le même niveau, même vous l'avez surpassé. Et on adore vos sourires. Quel sourire vous avez malgré le fait qu'on est en pleine pandémie et que vous êtes à Paris. Vous avez encore ce sourire quand même et ce bonheur, cette diversité culturelle, capillaire, hein, corporelle. Vous êtes les amis qu'on veut avoir. C'est vrai. Ah là 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 là, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Vous êtes allés loin et c'était différent et pourtant vous avez gardé votre ADN. Humour, sérieux, précision de la chorégraphie. On vous aime énormément. Quel très beau passage dans cette demi-finale. Merci, merci. C'est vous qui avez ouvert le premier prime des auditions de cette année. Et j'étais à la maison et quand j'ai revu votre passage, j'avais encore envie de danser. Je pense que c'est ce que tout le monde a ressenti chez lui. Je vous adore dans le latino, mais je vous ai adoré en yakuza. Restez comme ça, vous êtes des trésors. Merci. Allez, Ahmed. Pardon. Dis que t'as pas aimé. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, j'avais oublié que j'étais à l'émission. Tu vois, j'étais à un espèce de spectacle, c'était ouf. Ça raconte quelque chose, en fait. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, genre, si vous gagnez cette émission, vous allez rester aussi soudés que vous l'êtes là maintenant? Encore plus. On partage et puis chacun sa vie. Non, j'ai... Non, en tout cas, ils vont avoir beaucoup de mal à délibérer pour les demi-finales. Tu peux les aider, tu peux les aider. Non, mais ça va être très très dur. Ça va être très très dur. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Des câlins, mais raison sanitaire oblige, je peux pas, les frères. En tout cas, je vais vous dire pourquoi je vous ai golden buzzé. Au niveau de la danse, vous êtes impeccable. Vous êtes tous ensemble, on sent la cohésion. Mais j'ai vu quelque chose dans vos regards à partir du moment où vous êtes rentrés jusqu'à ce que nous on délibère, c'est que j'ai senti tellement l'envie de cette finale, l'envie d'aller au bout de votre rêve. Si je peux vous donner juste l'opportunité de toucher encore un peu plus ce rêve, là vous avez mis la barre très très haute pour les demi-finales. Moi, je serai devant ma télé pour la finale. Je compte sur vous pour bosser encore soyez plus. Prêt, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts. On est prêts. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusard et fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. Thank you.
Waouh, 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 mec, c'était d'une beauté. Vous êtes des soleils, vous êtes des vrais Merci. Soleils. J'espère qu'il n'y aura jamais d'éclipse, voilà. Non, vous savez quoi, j'ai même pas envie de faire des vannes. J'ai juste envie de vous dire que je vous aime, voilà. Vous vraiment, aussi, vraiment, voilà. Oui, voilà. Vous êtes des amours. Ce soir, vous avez pris un risque. C'est-à-dire que vous avez cassé l'image rigolote du début pour arriver avec un message beaucoup plus profond. Mais quand même, à la fin, vous nous avez remis votre petite signature que j'adore, rythmique. C'est vrai que vous êtes des petits soleils. On vous aime très fort. C'est tellement bien fait. C'est-à-dire que le fait d'être debout, le texte qu'il y avait imprimé derrière vous, le choix de cette chanson, les textes que vous les disiez en même temps. Vous n'avez pas honte de qui vous êtes forts ensemble. Et j'ai adoré que ça finisse à la source, le plus roots possible. Plus de bande-son, percu, danse. La base, quoi. Ça me plaît énormément. Merci. Vous êtes un vaccin contre la morosité. Alors... Et j'ai envie de vous emporter avec moi au Canada, mais ce que j'aime avec vous, ce que vous nous avez communiqué aujourd'hui, c'est que la vie, c'est un combat. Et je sais, je le sens que vous vivez un combat tous les jours. Il y en a beaucoup, on se reconnaît. On vit des combats, même si on veut être Canadien, même si on veut être Québécois, même si on veut être Français. Des fois, on n'est pas reconnu. Mais malgré le fait que vous avez un combat tous les jours, vous ne perdez pas le soleil. Vous avez toujours cette joie de vivre. Et ça, c'est très difficile. D'avoir autant d'obstacles et quand même garder le sourire et continuer. Et c'est ça que vous apportez. Et c'est ça votre message. Vous êtes votre message. C'est beau, tu as raison. On voulait vraiment remercier tout le monde pour votre soutien. Parce que là, aujourd'hui, on s'est mis à nu. La première fois, vous nous avez vus en mode déconnade. La deuxième fois, en mode un petit peu plus sérieux. Et là, en fait, on est revenu à la base, par ce par quoi on a commencé, par des moments difficiles, des moments de stress, des moments de peur. Et en fait, on s'est trouvé. Et on sait qu'on va, toute notre vie, on va avancer ensemble. Et on voulait vous dire merci pour ça, en fait. Ah, c'est bon. On réalise notre rêve. Ça fait chaud au cœur. Franchement, merci.